Alors évidemment, bonjour à tous. Ce week-end, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool. Attention, je dis pas que je me suis fait spoiler le dernier épisode de Game of Thrones, j'en suis pas là. Mais un truc pas cool quand même. Donc ça s'est passé samedi soir dans cette rue, qui est ma rue, hein, je connais tout le monde ici. Bonjour. En gros, je rentrais chez moi après être sorti avec des potes. Bon, certes, j'avais bu quelques verres que j'ai déposés ici. Mais globalement, ça allait. Bon, moi j'écoutais de la musique dans mon iPhone, du gros son bien hardcore, le dernier album de Rihanna, il me semble. Et j'avais mon portable dans les mains parce que j'étais sur Snapchat. Je regardais les réponses des gens parce que j'avais ouvert un gros débat en posant la question qui est encore réveillé. Donc voilà, le truc très politique. Et juste avant d'arriver chez moi, devant ce café, qui, ironie du sort, s'appelle Murphy, un mec arrive derrière moi, me prend mon iPhone et traverse ce boulevard en sprint. Donc moi je gueule tout de suite, vous imaginez bien, je lui dis oh connard, j'ai pas fini d'écouter Rihanna, rends-moi mon portable. Bref, je suis énervé, je lui cours après. Bon là, il faut imaginer que sur le boulevard, il n'y avait pas du tout de voiture en pleine nuit. Je voulais couper le trafic aujourd'hui pour vous reconstituer mieux la scène, mais la mairie a pas voulu, je sais pas pourquoi. Par chance, au milieu du boulevard, j'arrive à lui faire un croche-pied, juste ici. Ça aurait été classe que je l'arrête comme ça, mais évidemment c'est pas le cas. En faisant le croche-pied, je suis tombé aussi. Le portable se retrouve au sol, le mec l'attrape avant moi et recourt dans cette rue. C'est une rue où je connais tout le monde en plus. Bonjour. Ça c'est une touriste, c'est normal. C'est une grande ligne droite, donc tous les deux on se met à courir le plus vite possible. Lui à 20-22 km/h peut-être. Moi pareil à fond, 10-12 km/h. Ankylosé par les recettes de cuisine que je fais souvent avec mon coloc. Bon, je comprends assez vite que j'arriverai pas à le rattraper, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen de négocier avec lui. Donc je commence à lui dire de tout mon charisme. Oh, rends-moi mon portable. Je sais pas, je me suis dit que peut-être il allait me répondre. T'as pas dit s'il te plaît. Et qu'on allait pouvoir discuter. Mais non. Donc je continue à lui parler. Il y a plein de trucs importants dedans, il y a plein de photos de filles à poil. Paf, lui, il accélère, je sais pas pourquoi. En plus, je suis le seul à savoir que le code c'est 1986. Voilà, j'avais usé de toutes mes techniques de persuasion, mais le mec a continué à courir. Et là, par chance, je sais pas d'où ils sont venus, mais chacun de mes côtés, un à ma droite, un à ma gauche, deux mecs sont venus courir avec moi. Et évidemment, ils couraient bien plus vite que moi. C'était hallucinant. J'étais partagé entre la fierté d'être aidé par des purs inconnus et la honte de me dire que j'étais vraiment à la rue en termes de course à pied. Quelques secondes après, je les vois au loin rattraper le mec, à peu près ici. Moi, j'arrive sur le lieu de l'altercation le plus vite que je peux, 7-8 minutes après en gros. Le mec encerclé par nous trois essaye même pas de se débattre. Il me rend le portable directement et moi, rouge de colère et d'essoufflement surtout, je lui gueule dessus. Non mais ça va pas traverser le boulevard en dehors du passage piéton. Truc bien vénère quoi. Les mecs qui m'ont aidé remarchent avec moi vers la direction de chez moi. Et moi je leur propose de faire un selfie, c'est normal, c'était certainement des abonnés. Ils m'ont dit qu'ils me connaissaient pas. J'étais très déçu de leur comportement. Très déçu. Non, en vrai, je voulais remercier ces deux mecs dont j'ai même pas le nom, qui m'ont aidé comme ça sans me connaître. Je trouvais ça vraiment cool de leur part. Et je voulais préciser aussi que j'ai pas fait cette vidéo pour attirer la pitié. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? En petite partie pour vous faire rire, en moyenne partie pour vous dire de faire attention quand vous marchez tout seul dans la rue, surtout le soir, et en grande partie pour gagner de l'argent et me faire rembourser cet iPhone qui est complètement pété depuis qu'il est tombé dans la rue. Voilà mon agresseur, je sais pas qui tu es et je m'en fous un peu, mais je me dis que ce que t'as fait ce sera bénéfique pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. À demain 6h30. Merci.